Eh bien salut tout le monde, c'est Akai, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur F1 2016, on est toujours sur PlayStation 4 et on se lance en course sous la pluie, on est au Canada, Montréal plus précisément, coucou à tous ceux qui nous regardent depuis le Québec. Alors pourquoi j'ai choisi de la pluie? Tout simplement parce que j'avais dit que je vous le ferais, pourquoi le Canada? C'est pas parce qu'il pleut au Canada, il pleut peut-être pas forcément plus qu'ici en France, c'est tout simplement que j'avais envie de choisir ce circuit. Tout peut arriver en Formule 1 et bien entendu tout arrive. Et j'ai pris Vettel. J'ai pris Vettel. Nous allons étudier la grille de départ. Au terme d'une séance de qualif exemplaire, Sébastien Vettel part en pole position et voilà. Nico Rosberg complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, c'est pas grave le reste de la grille. Et normalement on aura la safety car puisqu'on va. Ouais, les mecs qui me regardent, caméra, tout ça, tout ça. Y a pas la safety car? C'est un tour de mise en grille. Hein. Ah, je sais pas pourquoi on n'a pas la safety car. Virtuel safety car normalement. J'aimerais bien l'avoir roulé devant nous, mais bon, tant pis. Hein. Attends, je l'ai mis hein, dans les options. Alors ça va être chiant sous la pluie. On va essayer de pas rentrer dans le décor. Hein. Allez, chauffer des pneus sous la pluie, ça va être complètement chiant. Et il y a 22 tours à faire parce que c'est 25% pour avoir la safety car. La remise en grille avant le départ, attente. Donc là, ça va me replacer auto. Ok, je pars premier normalement. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Le stress est à son comble. On est dans la peau d'un joueur de Formule 1, d'un pilote, pardon. Allez, on est parti. Alors, elle est où la safety car? Si vous savez comment la voir, hein, dites-le moi. Fera ça. Hein. Oh là là, la pluie, ça va être horrible. 22 tours à faire, les potes. Normalement, j'ai du carburant. C'est pas évident en conduisant. Hein. Ok. Responsable d'une collision. Non mais t'es sérieux, le mec qui me rentre dedans, Rosberg là, et puis c'est moi qui mange. C'est chaud, hein. À mon avis, je ferai pas la course tout le temps en tête, hein.
Il y a bien un moment donné, je vais revenir au bon d'Alkaï Fail. Peut-être ici. Ah putain. Pas bon ça. Fallait que je le dise, hein. Allez, c'est reparti. Oula, oula. Ça glisse, mon capichef. J'ai l'impression que je roule mieux sous la flotte que par beau temps. Oh, c'est pas bon ça. Dalkaï, regarde devant toi. Ah ouais, ça glisse, hein. Avertissement sans route, bah tu veux que je fasse quoi? Sérieux? Plus tout le monde me double, c'est bien. Ah, c'était... Ah, il m'a cassé ma roue. Hey, ça va? C'était pas bon à voir. Confirme-moi que tu vas bien. Mais non, ça va pas. Ils ont cassé ma roue. Bon. On va essayer de redoubler tout ce beau monde. Ça rien se casser. Voilà, on est sixième, c'est bon déjà. Voilà, mais c'est lui qui me rentre dedans. Impressionnant l'accident, n'empêche, hein. Ça pouvait pas durer, hein. J'étais bien parti premier là, et à un moment donné, bah, voilà. La légende d'Alkaï le Fail reprend le dessus. Mais je vous dis, sous la... D'accord. Pas de problème. Je... ouais, je coupe le moteur. Je crois qu'il n'y a plus de moteur. Heureusement, on a des flashbacks, hein. Surtout, rentre-moi pas dedans, mec. Merci. Allez, on est repassé. Troisième, c'est bien, c'est bien. Il y a 22 tours à faire quand même. Sur 22 tours, on va réussir à arriver premier quand même. C'est chaud ce que j'ai voulu faire. Super boulot, tu viens de signer le meilleur temps. Et c'est pas fini. Ah ouais, sous la pluie, j'ai l'impression de... Dropper encore mieux. Dropper, ouais. De courir, d'aller plus vite, ouais, d'être meilleur sous la flotte. Enfin, hormis les légers petits accidents qu'il y a eu. Heureusement qu'il y a une caméra, parce que sinon, enfin, un flashback, sinon c'était terminé, quoi. Allez, on est deuxième.
On va essayer de rattraper ça. C'est bon, on repasse premier les potes. Alors je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Regarde tout droit, regarde tout droit. Je suis carrément à l'arrêt. Et pourquoi j'ai dit 22 tours? Tu as pris trop de liberté avec les limites du circuit. On a reçu une pénalité de 3 secondes. Tu es en première position. Tu mènes la course. Hamilton derrière. L'écart est de 2 secondes. Ils ont des pneus plus neufs. Fin de notre stratégie pour l'instant. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. 14 tours restants. Alors, 14 tours restants. Et je vous l'ai dit, hein, c'est pour ça que je me suis... Ils ont fait sortir la voiture de sécurité. Attention au Delta. Il doit rester positif pendant que tu rejoins les autres. C'est quoi le bordel? Ça va être énorme, je crois. C'est la première fois qu'on va voir ça sur un jeu de VF1. Elle est où cette voiture de sécurité? Ah, elle est là-bas, je l'ai vue. On y arrive, on y arrive. J'ai hâte. Fais pas le fou. Voilà, ici on peut le rattraper normalement. On est bien posé. Putain, comme par hasard, elle a tourné. On va jamais la rattraper, c'est pas possible. Elle roule à combien? Je la vois. Je peux pas la dépasser, je crois. Non. Bah ouais, mais... Ah, génial! Mais pourquoi ils l'ont sorti, en fait? T'as le trace, hein? On va faire combien de tours là? Tu es en tête, premier. Hamilton est derrière toi. L'écart est de juste une
nous approchons de la voiture de sécurité. Ne la double pas. Tu es en tête. Suis les pilotes que nous devons battre sont les suivants. Ricardo et Raikkonen. Ouais, mais là, tu m'as doublé, y a pas de pénalité. JPP, quoi. L'écart avec notre coéquipier est de 4,6 secondes. Ouais, avec la pénalité, voilà, quoi. Ouais, ça aurait été sympa. J'ai pas tout compris, mais voilà, je voulais au moins le voir. C'est moi qui est con ou c'est eux qui avancent pas? Y a pas de drapeau jaune, y a rien. Oh, tout est ouvert. Il n'y a pas de drapeau sur les côtés. On va essayer de gratter du temps. Aïe aïe aïe, pénalité. Avertissement, ça. Ouais, j'ai vu ça. Non, mais là, j'ai pas fait exprès. Ah, tout à l'heure non plus, d'ailleurs, mais bon. C'est tout, pénalité, pénalité, hein. On va pas tergiverser. C'est notre dernier arrêt, plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Plus que 10 tours restants. Il nous reste à peu près 11 tours de carburant. Parfait. Trop de carburant, tu cours avec trop de carburant. Ah bah on va l'épuiser alors. Voilà, les freins ils commencent à mieux répondre, ils ont l'air de chauffer là. Allez, 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 allez. Il y a moyen de le faire. Hein. Allez, pour cette vidéo, pour le reste de cette vidéo, on va changer un peu les vues. À chaque tour, on va changer de vue. On va faire la suivante à chaque fois. Même si celle-là, elle n'est pas vraiment agréable. Et voilà, c'est tout. Hein, c'est comme ça. Ouais, ça va. C'est pas dégueu.
Eh ben, il y en a des sponsors en Formule 1. What the fuck? Tant que je casse pas la voiture. Hein. Oh, freine. Voilà. C'était pas ici que je devais changer de vue, non, c'est à la prochaine. Si, j'aurais dû changer normalement. Ouais, c'est celle-là. Bon, à peu près, on va dire, à peu près au drapeau à damier, on va changer à chaque fois. Après le long virage chelou, là. Ah, ça va être dur, la conduite comme ça. Ça va être dur. Je vous l'ai dit, j'aime pas cette vue, hein. C'est pas dégueu au rendu visuel, mais à la maniabilité véhicule, c'est complètement difficile. Vous voyez, d'ailleurs, les cars se creusent. Oula. On sent que je suis pas à l'aise, hein. Ouais, c'était à peu près ici que j'avais changé la première fois. Allez, on va dire ici. Voilà. Comme ça, on va pouvoir un peu toutes les faire, les vues. Bon, celle-là, c'est déjà un peu mieux. Même si c'est la même, en plus éloignée, mais c'est déjà un peu mieux. On a quand même un visuel un peu sur l'environnement. Ouch. Tout juste. Allez, accélère si tu veux. T'es en train de te faire attraper là. Voilà. Et revoilà. Ah, je sais plus c'est quoi comme vue après ça. Il reste à peu près un tour en réserve de carburant. Tu ne vas pas pouvoir continuer avec le mélange trop encore longtemps. Mais certains, si tu en as besoin. On réfléchit à une autre stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Confirmé. Mais je dois faire quoi du coup? Ah, faut que j'aille au stand. Tout restant. Mais c'est dur hein, de manier les deux. Hein. Mais c'est pas ce que je veux faire. Je veux info carburant. Pourquoi elle m'a cassé la tête avec rentrer au stand?
Il faut que je le rattrape. Si on y arrive. Sans oublier que je dois changer la vue là-bas à droite. Au virage. Rentre au stand et surveille ta vitesse. On écopera d'une pénalité si tu arrives trop vite. Ne l'oublie pas quand tu arrives au stand. Oh merde! Oh putain! Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi si ça va. Non, ça va pas. T'as vu ma roue? Ah, honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé. Mais pourquoi ils veulent que je rentre au stand? Ouais. Ce sera jamais premier du coup. J'ai raté l'entrée de stand. Ah! Zut! Mais je l'avais déjà raté l'entrée des stands, tu vois. Allez, au prochain tour, on rentre. Ça veut dire que je vais être dernier alors. C'est bien. Magnifique tout ça. Elle est dingue cette vue, hein. Elle est prenante. On dirait une petite GoPro là. Bon, change de vue, faut pas que j'oublie aussi, c'est de rentrer au stand. Où l'entrée des stands. En plus, on va rentrer au stand avec cette vue. Magnifique. C'est où l'entrée au stand? What the fuck? Je comprends pas où est leur entrée de stand. Bref, on s'en fout. On va essayer de le rattraper. Avertissement, non? Même pas. Bien sûr. Raikkonen, tu casses les burnes. J'ai fait un truc de ouf, les potes. Ah, c'était le gros bordel. Hein. Bon, il n'y a plus qu'à rattraper tout le monde. Tant pis, c'est vraiment une fin de course médiocre pour moi. C'était là l'entrée des stands.
Vas-y, on le double. Il n'y a pas de collision, ça, la régulière. Putain, on est 9e, quoi. Ah, quand ça va plus, ça va plus, hein. C'est dommage, c'est que toute la course était bien. Et il fallait une petite erreur de ma part, une petite... Surtout erreur d'inattention et de non-compréhension. Je comprenais pas le délire du tour rentré au stand là. Et du coup, ça m'a perturbé. Bon, c'est pas grave. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Tant pis, on se mange la pénalité. On n'est pas à ça près. Normalement, il y a moyen de les faire, les 3 tours avec l'essence que j'ai. Hop. Tu as reçu une pénalité pour cet incident. Élimination proche, hein. Ah ouais, ça rigole pas, hein. C'est compliqué, hein, quand même, hein. Essayer de pas refaire de pénalité, de finir tout ça. Il reste 2 tours. Ah, je suis déçu. Et je crois que l'arrêt au stand est obligatoire en plus, me semble. C'est là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, les potes. Dans la déception. Moi, c'est pas grave. On n'est plus à ça près, hein. On est juste 16e, hein. C'est bon, tu peux partir. Putain, je viens de sortir des stands. Je vais déjà casser tous les bails. Tu commences à économiser du carburant. Tu en as un peu en réserve pour faire tourner ton moteur plus vite quelque temps. Oh là là, c'est la fin. On va finir vraiment. Tu vas bien?
Ah, ça va plus. Et c'est bon ici. Ah putain, on va finir 20e quoi. Vous vous rendez compte qu'on était premier au départ? Pendant un long moment en plus, hein. Et c'est la fin, 19e. Hein. Nul. C'est dommage, mais je sais que tu as tout donné. Nous ferons bien mieux la prochaine. 20e, bah ouais, avec les pénalités. Bon, les amis, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va peut-être pas assister au podium, on assistera au podium. Après cette course d'anthologie. Après cette nouvelle manche du championnat du monde. Voilà. Et voilà, et voilà. Merci à tous en tout cas. On aura vu la pluie, on aura vu la safety car, c'était pas mal. Et on aura assisté à d'étranges petites choses. Ça peut arriver dans une course. Et ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Et comme d'habitude, bon game à tous.